Et bonsoir à tous et bienvenue, je suis Nucleus pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Windbound, et oui je dis bonsoir parce que pour une fois on tourne des épisodes en live le soir. On se retrouve là où on s'est quitté avec un petit peu de farm qui a été fait, en tout cas je fais quelques tours des îles de ce chapitre. Le soir dit-il à 2 h du mat. Oui bah c'est, je vais pas dire bonne nuit. Donc du coup, on se retrouve pour ce qui, je pense, pourrait être le dernier épisode de Windbound, de notre let's play de l'été. Alors, on va prendre de la bouffe. Parce que qui dit dernier chapitre, tout ça, on prend de la bouffe, parce que j'ai pas envie de mourir. Et c'est parti! Donc ouais, je disais, j'ai fait un petit tour des îles, histoire de récupérer, voir s'il y avait des trucs à récupérer, et compagnie, mais non. Le matin, moi, c'est Benji qui me le délimite sur Discord. Je suis assez d'accord, hein. Tant que Benji n'a pas dit bonjour, c'est pas le matin, hein. Allez, hop. Mais en soi, ouais, j'ai pas trouvé grand-chose de plus. Ouais, il y avait pas grand-chose. Même très peu de petites îles, très peu de trucs à retrouver. C'est pas très grave. Mais bon. Ah ouais, super. On commence à avoir un petit brouillard et la pluie là pour arriver. J'imagine qu'il va y avoir un boss. D'ailleurs, on va se rééquiper de notre balai lance de sorcière. Moi en train de farmer, Badji, bonjour à tous, et moi, bonne nuit. Non mais oui, mais je comprends tout à fait, hein, ouais. Ah, Benji est un lefto, hein. Bon, boss ou pas? Ouais, des trucs de corruption, donc je pense qu'on a la réponse. Oh! Elle est stylée pour une fois. Enfin, on se rencontre, petit poisson. Par des eaux calmes et des mers tumultueuses, je t'ai guidé. C'est toi! Mais je ne t'ai pas fait venir ici pour une réunion de famille, ni même pour ma rédemption. Tu as quelque chose qui m'appartient. L'amulette. Une seule personne peut l'utiliser pour passer à travers la tempête de la Grande Ancienne, et j'en ai plus qu'assez de ces îles. Prends ta lance, petite, et je t'accorderai une mort de guerrière. Alors tu m'excuseras. Oh la guitare électrique! Elle me prend par les sentiments en plus! Oh elle fait pop des mobs. Oh elle fait pop des mobs. Aïe! Mais arrête! T'as traité de petit poisson impardonnable. Ah oui, non mais clairement, ça va chier. Hein. Par contre, elle a exactement les mêmes compétences que moi, Inara, la tueuse de dieu. Ah, donc ce serait elle qui aurait tué... Par contre, elle est extrêmement stylée. Vas-y, elle fait pop d'autres trucs en plus. Ah, mais les ZAD au secours, hein, le pire truc. Aïe! Aïe! Nope. Nope. Eh, vas-y, viens. Vas-y, viens. Viens me chercher. Toujours garder un œil sur celui qui est tout à gauche, là. Non, pas la corruption. La corruption, j'aime bien, mais que dans Conan Exile. Nope. Putain, mais ce thème là, la guitare électrique, mais plus s'il vous plaît. Aïe! Aïe!
Allez. Ça va bien se passer. Oh, ça va. Putain, je fume le... Non. Aïe. Deux points, c'est point, 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 point. Allez, faut que j'aie de l'endurance, là. Nom, 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 nom. Aïe. Mais cette musique... Enfin, cette version de la musique... Allez, on se régène. Mais c'est pas toi que je veux. C'est toi. Waouh. Ton larbin a tout pris pour toi. Aïe. Tiens, bouffe. Pardonne-moi, sang de mon sang, d'avoir essayé de régler mes problèmes par la pointe de la lance, encore une fois. Et pardonne-moi aussi ses fautes. Pardonne aussi ses fautes à la grande ancienne. Peut-être nous pardonnera-t-elle les nôtres. Trouve notre peuple et rappelle-nous à eux. Rappelle-leur qui nous étions et ce que nous sommes devenus. Ok. Et merci pour le GG. Oh, elle a looté quoi? Masque d'exilé permet de matérialiser un bouclier en combat qui absorbera totalement les dégâts d'un coup unique avant de devoir se recharger. Voyons voir. Non, c'est pas ça que je veux. Voyons voir ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ça? Ah oui, mais faut que je le... Ouais, c'est chiant. Non. Ah là, je le voyais pas. Ouais, c'est ce qu'elle avait, mais version pas corrompue. Sympa. Allez, let's go. Let's go, let's go. Bon, du coup, est-ce que Poulpi va être vénère? J'aime tellement cette musique. Oh, excusez-moi pour le micro. Ouais. Vu que c'est la dernière stèle, on va reprendre le texte du début. On va tout reprendre depuis le début. Alors, la dernière traversée, acceptation. Nahin. Les Iliens honoraient les grands anciens. En retour, ces derniers domptaient les eaux et les vents. L'harmonie régnait. Un gigantesque cyclone frappa l'archipel, forçant les bateaux à rester à terre. Les habitants désespérés se retournèrent contre leurs gardiens et mangèrent la chair de leurs dieux. En représailles, les grands anciens déclarèrent la guerre aux îles. De terribles pertes s'ensuivirent dans les deux camps. Comment en était-on arrivé là? Les habitants des îles volèrent la magie des grands anciens pour illuminer leur tour, modifiant par là même l'équilibre des pouvoirs. Un lien était autrefois sacré. Hein ? Un lien autrefois sacré fut irrémédiablement endommagé. Et enfin,
La dernière des grands anciens enferma l'archipel dans une tempête magique, mais les insulaires parvinrent à s'échapper par la traversée, abandonnant ainsi terre natale et Jolière. D'accord. Donc c'est pour ça en fait qu'on se retrouvait à chaque fois dans une partie d'océan cernée par des tempêtes. D'accord. Et du coup, on se sert de son. Ouais, d'accord. En fait, on se sert du hub où on est ici pour voyager d'île en île. C'est ce que l'on a fait tout au long du jeu. D'accord. Bon. Est-ce qu'on a une dernière fois la musique trop stylée? Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air d'être grosse ambiance là actuellement. Ah, c'est pas la même. Alors je vais avancer doucement, voir s'il n'y a pas des trucs qui apparaissent ou quoi. En fait, si, c'est la même musique. J'avais oublié ce début au piano. Rapide, Dieu! Oh putain! Ah! À cause des vagues, je coule! Oh le gros! Oh le gros! Oh putain! Te mets pas devant! Ah! Oh putain! Wallah! Oh ça ouais! Oh putain! Ah! Bleh! Et encore, heureusement que j'ai un bateau assez stable! Qu'est-ce que ce serait sinon? Oh putain! Oh mi de Dieu! Prendre sa musique est beaucoup trop stylée. Il y a un requin? Ou j'ai rêvé? Ouais, il y a un requin, ouais. Ah non! Arrête! Donc ça, donc c'est le dernier des grands anciens. Ok. Arrête de faire des vagues contre-courants. Oh putain. Arrête de faire des contre-courants, Michel, c'est chiant. Voilà. Ah! Ah, et en plus, je me bouffe les méduses. Vas-y, là. Ah! Ouais, bah, si tu te mets au milieu, par contre, c'est chiant, Michel. Arrête! Oh putain! Ouais, non mais aïe 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 aïe! Arrête! Je sens que le dernier, je vais me le prendre dans la gueule. Le TP pour sortir de la tempête.
Il va me défoncer. Il va me défoncer! J'avais annoncé. Oh, et on a le succès, finish the game. Oh. Ah là là, comme vous l'avez de grands yeux. Et de très très gros tentacules. Ah. Oh. Ma pagaie. Ça fait des tout petits poulpis. S'il y en a un qui m'appelle maman, ça va chier. Et là, au loin, tu entends un... Et on se barre de la tempête, c'est bon ça. Ah, merci Poulpi de pas nous avoir tués, c'est bien. C'est quand même sympathique. Et encore un peu plus loin, tu entends un « sur l'océan ». Sur l'océan. Pardon. Je suis très dissipé sur cette fin de jeu, je suis désolé. Ah, sorti. Et bah c'était trop bien. Voilà. Ah, ce que j'en dis, moi. Il y a plein de poulpes sous l'océan. Mais oui. Encore un mec qui s'est endormi dans sa cornemuse, hein. Non, en vrai, le jeu est vraiment très très cool. Bon bah ça veut dire que très bientôt, épisode bilan de Windbound. Hein. Pour l'instant vous avez la vie globale qui est très très cool, mais il y a quand même quelques défauts. Là où il bosse toute la journée, il chasse le cuir sans y arriver. Ah le cuir, mais est-ce qu'on en reparle de la chasse au cuir s'il vous plaît? Pire ressource du jeu à avoir. Et en fait, ce que je trouve dommage, je vais pas entrer trop dans les détails pour évidemment avoir quelque chose à dire, enfin quelques avec un S et chose avec un S à dire. Je vais pas forcément entrer trop dans les détails, mais c'est vrai que ouais, il y a... Au final, on a fini le jeu sans utiliser plus, je dirais, les trois quarts des crafts. Ce que je trouve un peu dommage en soi. Mais le jeu est trop bien. Un peu répétitif.
Mais voilà, en soi, moi, c'est le petit jeu détente de l'été et il a fait son office très clairement pour moi. J'ai passé un bon moment. C'est pas le jeu de l'année, clairement. Mais il se défend, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses. Le visuellement, c'est beau. Musicalement, je trouve ça très très cool. Non, vraiment, pour moi, c'est une bonne pioche. J'aime bien. J'ai vraiment bien aimé. Puis voilà, toujours le plaisir de découvrir un petit jeu indé, là, qui passe dans le coin. C'est toujours le petit plaisir. Bon, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. On va évidemment ne pas passer les crédits, hein, vous le savez. C'est la marque de fabrique, hein, c'est ma maigre compensation à mon petit niveau pour remercier les gens qui ont travaillé sur un jeu que j'ai apprécié. C'est la moindre des choses que je puisse faire, en tout cas à ce niveau. Mais ouais, après bon, il y a des choses encore que j'ai pas forcément fait sur le jeu, hein, notamment bah il y a un mode, on va appeler ça un mode sans fin, où en gros tu passes juste d'île en île, t'améliores de toujours plus ton bateau, etc., etc. Est-ce que je ferai un épisode dessus? Je pense pas, parce que bon, en soi, ça change pas drastiquement le jeu, hein, clairement pas. Tu finis avec le Titanic? On va essayer que non. Non, mais au final, comme je dis, voilà. C'était donc Windbound. C'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. Sur YouTube, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.